Good morning, Alidan Nessus. Aujourd'hui, le Nishmat Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Batraina. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Sota, Perexain, Mishnah. Hey! Brachot ou Klalot Keitzad, Kevan Shavru, Israël et Ayarden, ou Baou El Har Gerizim, El Har Eval, Shebe Shomron, Shebe Tzad, Shechem, Sheetzel, Elone More, Shneemar, Halo, Hema, Beever Ayarden. ולהלן הוא אומר, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. מה אלון מורה האמור להלן שכם? אף אלון מורה האמור כאן שכם. שישה שבטים עלו לראש הר גריזים, ושישה שבטים עלו לראש הר עבל. והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע. הכהנים מקיפים את הארון. והלוויים את הכהנים, וכל ישראל מכאן ומכאן שנאמר, וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו. On me dit misé ou misé la Aaron. On va déjà s'arrêter là pour le moment. On continuera ensuite la deuxième fois, sinon on n'a pas d'intérêt à lire tellement de textes. Brachot ou klalot. Comme ça, on est dans le chapitre, bien sûr, du début du chapitre, on a évoqué les mitzvot de la Torah qui est réalisé nécessairement en parlant en lachon à Kodesh. Dans toutes sortes de mitzvot, la Torah nous a dit qu'il va falloir déclarer des choses. Il y a certaines choses qu'on peut déclarer dans toutes les langues. Le Kriyat Shema. On peut le lire même en français, si ça vous dit, ou en anglais pour un anglais. Et la tefila, la même chose aussi. Par contre, il y a toutes sortes de mitzvot qui font nécessairement dire Bilshan HaKodesh. On en avait déjà vu deux, qui étaient le premier, c'était le Bikurim, et le deuxième, c'était la Khalitsa, de la femme, qui est de la Yevama. On avait appris là-bas que c'était dû en fait des brachot au klalot. Du rituel des brachot ou klalot. Si vous êtes dans la paracha de Kitavo, dans la troisième partie de la paracha, on commence avec le Mikra Bikurim, après ça continue avec le Vidui Maaser, et puis après on continue avec quelques petits trucs. Mais après la Torah nous raconte, lorsque vous entrerez en Israël, vous devrez procéder au rituel des brachot et des klalot. Qu'est-ce que ça veut dire les brachot et les klalot? C'est sûrement que vous devez déjà les connaître. Dans Kitavo, il faut bien différencier, il y a deux parties dans les klalot. Il y a d'abord, il y a le Ham Israël qui va maudire celui qui va transgresser. C'est-à-dire, d'abord, il y a une liste de 11 interdits que la Torah, que le Ham Israël s'est réuni à Har Gerizim et Eval pour les maudire. Et c'est le rituel qu'on va évoquer ici dans notre Mishnah. Comment est-ce qu'il fallait procéder pour faire ce rituel de bénédiction et malédiction en réalité? Ce n'était pas que maudire, même si ça devrait le préciser que maudire, mais ça implique même aussi bénir. Concrètement, le point commun de toutes ces brachot, Arur, Aish, Asher, Yaket, Reubasater, Arur, Aish, Asher, Yasepesel, Umasecha, Vesambasater, Arur, Aish, Asher, toutes sortes de clalotes. Le point commun qu'il y a en tous, il faut bien comprendre, on parle de choses là-bas que les gens peuvent se permettre de faire en cachette sans que personne ne le sache. Il y a une partie grave, une particularité, c'est une singularité très délicate dans certaines mitzvot, qu'un homme, il peut, c'est comme le rapport qu'un homme, il peut avoir avec sa fille, ou hein, qu'il peut avoir avec sa belle-mère, la femme de son père, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il y a eu toutes sortes de choses qu'un homme, il peut faire chez lui sans que personne ne sache. Et là, c'est la catastrophe. Quelqu'un qui va faire quelque chose en public, alors on va l'attraper, on va voir, on va s'éloigner de lui. Mais quelqu'un qui extérieurement, ça a l'air d'être un super sadique, habillé avec son chapeau et sa belle barbe, et par derrière, il fait n'importe quoi avec sa fille, ou avec des choses comme ça. Là, on avait besoin, en entrant dans l'Israël, de procéder au rituel des klalot. Ça implique quoi? Ça implique qu'on va tous, qu'on a maudit une personne pareille, que si jamais il va faire ces choses-là, que très rapidement, il va tout perdre, il va devenir pauvre, il va devenir... Et il va mourir aussi le plus vite possible. On a appris, c'est le rituel des klalot, des brachot ou klalot. C'est lié au principe de la harvout, qu'on est tous garants l'un sur l'autre. Moi, je veux bien être garant pour quelqu'un, pour un juif, veiller à ce qu'il va faire les mitzvot, mais les choses qu'il fait quand il en cachette, quand il ferme la porte de chez lui, et qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas, là, j'ai pas de contrôle sur ça. Et dans ça-là, si je suis porté garant sur ça, j'ai une responsabilité sur un mauvais voisin, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça qu'on a fait tout ce rituel des brachot et des klalot, pour recevoir de nouveau la Torah avec un brit, qu'on est engagé vers l'autre, mais ça implique aussi que si l'autre, il va commencer à faire des coups en douce, qu'on ne va pas pouvoir l'attraper, et bien,
que très rapidement que le ciel le punisse le plus vite possible. C'est pour ça qu'il a fallu se faire ce rituel de Klalot. Ça, c'est l'introduction générale au Brachot et Klalot. Et bien sûr, pour notre propos, c'est là-bas qu'il a écrit le mot Ve'anu Alvim, et sans qu'on va voir comment est-ce qu'il fallait procéder. Alors, Brachot ou Klalot Ketsad. Pour les Brachot et Klalot, comment fallait-il procéder à ce rituel? Kevan Shavru Israël et Tayarden. Étant donné que il y a eu quelques années, si vous cherchez sur le site du 5e minute éternel, il y avait eu justement dans Parashat Kitavo, on avait rallongé amplement pour raconter comment ce procédé s'était fondé sur ces gemmes de Maseret Sota, pour procéder, comment se présenter, comment ça le procédé, c'était. Comment il fallait procéder pour faire cette mitzvah de ce jour-là. C'est un jour extraordinaire, où ils ont passé le Jourdain, et ils ont dû partir ensuite à je sais plus, 4 par Saot ou 6, 16 par Saot, pour faire le procédé au rituel d'Argris et Mereval. Ils ont là-bas fait ce super mamad là, qu'on va voir tout de suite. Et ainsi des corbanotes, ils ont chanté, ils ont dansé, après ils sont venus le soir. Tout ça, c'était en une seule journée. Regardez dans le 5 minutes éternel, probablement 5780 en Elul. J'imagine fin Elul, 5780, 81 peut-être, pas plus. Et vous trouverez là-bas, c'est très enrichissant. Le gars qui écrivait là-bas, il écrivait vraiment très très bien, c'était moi-même, bien sûr. Et Brachot Oklad, donc comment on fait pour se procéder au Brachot Eklalot? Kevan Shavru Israël et Tayarden, étant donné que le Am Israël ont passé le Jourdain, ou Baou El Har Gerizim Vel Areval, ils sont partis jusqu'à Har Gerizim et Areval, chez Beshomron, dans la région du Shomron, chez Betzad Shechem, qui est à côté de Shechem, de la ville de Shechem, chez Be'etzel Elone More, qui se trouve à côté de Elone More. Donc, si je récapitule, parce qu'on a eu plein de termes là, on n'a pas tellement compris, il y a un endroit qui s'appelle Elone More, ça on le connaît, c'est explicite dans le Passouk. Et on va te dire qu'en fait, ce Elon Moré, c'est le Elon Moré, la ville de Elon Moré, qui est à côté de Shrem. Et là-bas, dans le coin là-bas, il y a deux montagnes qui s'appellent, une qui s'appelle Har Gerizim et une qui s'appelle Har Eval. Une montagne qui est super verdoyante, merveilleuse, et l'autre montagne qui est sèche au possible. Et en fait, là, ceux qui vont, il va falloir la moitié du peuple qui va se retrouver dans une sur la Klala, et l'autre sur la Bracha. D'accord? Donc, chez Nehemar, on déduit ça du Passouk qui a écrit Aloéma, que ces montagnes se trouvent, que la Torah nous dit, tu mettras les brachot sur le Har Gerizim et sur le Har Eval. Où sont-ils? Aloéma, Be'edar Eden, ils sont là-bas, Be'edar Eden, au-delà, après le Jourdain, comme on rencontre en Israël, Acharé, plus loin, Derech Mevo Shemesh, et Tzel Elon Emoré. Là-bas, il y a marqué le mot, c'est à côté de Elon Emoré, et rien de plus. C'est quoi Elon Emoré, où ça se trouve? Oulala, nos mères est plus loin, plus haut, en réalité, dans la Torah. Lorsque c'était écrit sur le parasha de Lech Lecha, avec Avram Avinu, il y a marqué là-bas, va y avoir Avram Be'eretz, Ba'aretz, Ad Mekom Shechem, Ad Elon Moré. Oh, Avram est arrivé jusqu'à Shechem, jusqu'à Elon Moré. Je déduis de là que Elon Moré, c'est quelque chose qui se trouve à côté de Shechem. Et là-bas, tu as trouvé les deux montagnes qui s'appellent la Grisée Morével. Mais Elon Moré a amour la lan Shechem, de même que Elon Moré là-bas qui était dit, c'est à côté de Shechem. Ah, fait l'on mourir à Mourkan, Shrem, de même, le l'on mourir qui est dit ici, c'est aussi Shrem. Ensuite, comment procéder? Shisha Shvatim alou les roches Har Gerizim. 6 tribus vont être sur Har Gerizim. Mais Shisha Shvatim alou les roches Har Eval et 6 autres tribus montées de l'autre côté sur Har Eval. Maintenant, entre les deux montagnes, il y a bien sûr la petite vallée, on va dire, la Kohanim, la Leviim, et les Kohanim, et les Leviim, vers Aaron et l'arche. Où il y avait les Luchot Abrit, Omdim le Mata Baemtsa se trouve entre les deux montagnes. Akohanim, Makifé Metaron, il y a le Aaron qui est au centre. Akohanim, Makifé Metaron, on met en place les Kohanim de manière à ce qu'ils vont tout encercler le Aaron. Vealevim et Akohanim, et les Levim, ils vont encercler eux aussi les Kohanim à leur tour. Donc on a le Aaron, dérangé de Kohanim, après dérangé de Levim. Vechol Israël Mikan, ou Mikan, tout le peuple d'Israël, de là, de ci et de là. Donc, moitié sur Har Gerizim, moitié sur Eval, chez Nehemar, comme nous dit le verset. Cette fois-ci, c'est un peu dans Yoshua qui nous raconte concrètement comment ça a été procédé. Vechol Israël, et tout le peuple d'Israël, Uzkenav, et ses anciens, Veshotrav, et même les Shotrim, les policiers, Veshoftav, et les juges, Omdim Mise ou Mise, l'Aaron se tenait d'un côté et de l'autre côté du Aaron de l'Arche Sainte. Ensuite, on commence. Afroupneem clapé Har Gerizim, il se tournait vers le Har Gerizim. Har Gerizim, ou pas trop une bracha, et là-bas il commençait à prononcer une bracha. Vous ouvrez dans Parashat Kitavo, vous allez trouver en Josué 11, Arour,
Par rapport à les on, aux 11 arour, on commençait d'abord à dire les 11 barour. Genre, s'il y a marqué arour, asher, aish asher, ya sepe salom asecha, as barour, aish asher, lo ya sepe salom asecha. D'accord? On va maudire celui qui va faire pesalom asecha, et on va aussi bénir celui qui va pas faire le pesalom asecha. Ou pas trop bibracha, comme ça ils ouvraient le avec une bracha, qu'on disait barour, aish asher, lo ya sepe salom asecha. Béni soit l'homme qui ne va pas faire de statut et de représentation pour se prosterner en cachette. Ve'elo, ve'elo, on y m'amène, et attention, et tous ceux qui sont là vont répondre Amen. Tous ceux qui sont là, vous imaginez à quoi ça ressemble? 600 000 hommes, plus, rajoutez 600 000 femmes, plus après, au minimum, au moins 1,5 million d'enfants. Ça, c'est ceux qui sont entre 20 et 60 ans, rajoutez les anciens, hein. Ça nous fait que, imaginez à quoi ça ressemblait un Amen comme ça, de à peu près 2,5 millions de personnes. Il y avait comme ça, les Kohanim qui étaient en dessous, ils criaient « Arour Haïch, O Baruch Haïch, Asher Lo Yaseh Besalom Asecha » Et tout le peuple répondait « Amen !» Imaginez comment ça devait trembler là-bas. D'accord ?« Elo Belo Onin Amen » Ensuite, une fois qu'on a fini la bracha sur Har Gerizim, on se tourne tous de l'autre côté maintenant de Har Eval, la montagne qui représentait la Klala. Et là-bas, on disait de nouveau « Afroupnem Klapé Har Eval, O Fatrou Beklala » Et ils ouvrent ensuite la Klala en disant comment qu'il soit maudit l'homme qui a fait un peu salom asecha, elo velo anim amen, et cela répondait amen. Ensuite, une fois qu'on a mis ce rituel, qui était en réalité bien plus complexe, là on a rapporté une bracha, une klala, la Gemara l'explique, chaque bracha, chaque klala, on faisait une bracha, une klala générale, ça faisait l'équivalent de 44 brachot, si je ne me trompe pas, j'ai un doute, est-ce que c'est 44 ou 40, parce que peu importe. D'accord? Comme ça, il fallait procéder, brachot et klalot, on pratait en klal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Hachigomrim brachot uklalot, jusqu'à qu'on finisse toute la séquence des brachot uklalot. Souvenez-vous, on est le 16 Nissan, le 15 Nissan, lorsque Israël a passé le Jourdain, déjà, le matin, au petit matin, l'eau elle s'est arrêtée, ils sont partis, ils ont fait toute une, ils ont, comme ça, tout le peuple en même temps, qui arrive sur Gerizim Raval, dans la même journée, ils procèdent ensuite à ce super rituel-là des brachot et des klalot, ensuite, après, ils ont dû apporter des pierres. La Torah insiste, ensuite il va falloir apporter des pierres. Et qu'est-ce qu'on fait sur ces pierres? Ou banot amisbar, il fallait construire un misbéar. Vesadou, basid, il fallait ensuite recouvrir de chaux blanches, qui sont un misbéar blanc. Vekadvou alav et kol divré à Torah, beshivim lachon. Alors là, attention, accrochez-vous. On a écrit toute la Torah en 70 langues. Il y en a qui disent que ce n'est pas vraiment toute la Torah, c'est 70, c'est les tariag mitzvot, peu importe, en 70 langues. Imaginez le temps que ça a dû prendre. Tout ça en une journée. Ils sont mis à écrire sur les petites pierres toute la Torah. Et ensuite, la Torah a insisté de le faire comme ça. Shenemar, comme la Torah nous dit, d'où j'apprends qu'il veut dire 70 langues. Parce que, quand il a écrit, Ba'er etev. Expliquer amplement. Donc, expliquer en toutes les langues, comme ça, tout celui qui les comprend. Ensuite, une fois qu'on a fini, bien sûr, à marquer là-bas qu'ils ont fait des corbanotes, ils ont chanté et ils ont dansé. Et après, Venatlo et Avanim. Après, ils ont récupéré toutes ces pierres-là, ils ont en fait défait le Misbéar, ils ont pris ces pierres, Ve, ou Baou Velanum Bim Koman, ils sont revenus là où c'était lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, et ils sont repartis là-bas, et ils ont dormi ensuite, après cette journée extraordinaire de miracles et de Siata Dishmaya, ouais, c'était un jour, j'imagine, une fois j'ai fait le calcul que, justement dans ce même 5 minutes que je vous ai parlé, j'ai fait le calcul que c'était un jour extraordinaire qui. On n'en parle presque pas, on parle du jour de le Kriyat Yamsouf, pour moi, à mes yeux, c'est un jour aussi grand que le jour de Kriyat Yamsouf, quoi. Il y a eu Matan Torah, il y a eu Kriyat Yamsouf, et il y a eu ensuite, au même titre, cette journée-là extraordinaire, où ils ont traversé le Yarden, le Jourdain, avec l'eau, comment elle s'est arrêtée, qui s'est empilée, qui s'est truc, et après ils traversent, et c'était un moment très 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 méragèche. C'est, dans Sefer Yoshua, c'est séparé en deux endroits aussi. Bon, enfin, on a dit l'essentiel de la Mishnah, Bezrat Hashem, vous avez tout compris. Bezrat Hashem, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.